Apparemment, là, il faut mettre un suppositoire. Et là-bas, une bouboule. Ah! Là, il y a la bouboule. La bouboule explosive. Viens par là, gamin. Parce que t'es asthmatique et tout sauteux qu'il faut, hein. Te traiter différemment. Fais péter la brume. Très très bien. Plus il éternue, mais qu'est-ce qu'il a comme maladie? La fagoterie? Qui n'est jamais finie? Il y a forcément un de ces cailloux à la con. Je te parie. Regarde là-haut, regarde là-haut. Tu crois que je l'ai raté? Non. Ton papa, il voit tout. Comme il a pas de cheveux de... pédé, là. Il couvre tout. Ça a vu? Il sait comment faire. Pour récupérer les petits suppositoires en cristaux. C'est parti. Suis-moi. Prépare ta flèche enchantée. On va poser ça dans le... trou du cul magique. Boum. Et dis-moi. Révèle-moi la voix. Maléfique. Qu'est-ce que c'est? La poussière du royaume. Magnifique. Plus que 10 brèches à fermer. 10 trous du cul à fister et ce sera terminé. Et c'est le royaume des envahisseurs. Regardez, on est de retour à la main du géant. Eh oui. Quel est cet endroit? Les pêcheurs débarquaient à la prise du jour dans ce port et utilisaient cette chose pour en envoyer une partie directement aux cuisines du Jarl. Le reste était trié et vendu. Il y a une sortie sous le pouce. Trouve un moyen de passer. Faut réfléchir à un moyen de passer. Donc contourner les obstacles. Voilà ce que ça veut dire, gamin. Il y a une ouverture. Je peux l'attendre. Oui, puisque t'es petit et faible. Il y a un chemin vers la sortie de l'autre côté. Oh ! Très bien. Fais-moi rêver. Alors, c'est tout ce que t'as à dire? Cette merde? Arrête de mourir! L'attendre. Et comment qu'on fait ça, hein? Comment on fait pour remonter cette merde? Comment moi, Papa Kratos, je remonte mon gros cul? Ah, comme ceci, évidemment. Oh, lolo, lolo, lolo. Et tu vogues. Et je bloque. Il y a une chaîne ici. Vas-y, fais-la péter. Va te faire ton petit cancéreux, là. Tout ça pour attirer l'attention. Tout ça parce que t'as besoin de câlin et de bisous de réconfort après t'être fait... vicieusement insulté par un homme barbu et touffu. Une herse. Très bien. Montons là-dedans. Allez, viens-t'en. Au pied. Oh, le coq-coffre. Les bobos. Et on peut redescendre par ici, il me semble. Oh, pourquoi faire? Excellente question. Aurais-je manqué quelque chose? Non. C'est l'heure du burin. Trouvez le trou. C'est fascinant. Où est-ce que mon vibromasseur s'active le plus? Là-bas, non. Là, oui, s'il vibre bien, là. Ici! Ah mais non, papa il a encore raté, papouné. Il est pas fort pour trouver le trou. D'abord il prend la caverne sombre, puis après il prend le bon trou. Toujours pareil. De retour sous sa main. Nous y sommes presque. Nous pouvons enfin partir. J'ai marre d'être sous le cul d'un géant, perso. C'est-à-dire... Après tout ce qu'on a fait, escalader le corps d'un géant, chuter sur un grand marteau, affronter des dieux malfaisants... Qu'est-ce que tu crois que mère dirait? Elle dirait... Que tu as fait d'énormes progrès. Elle dirait... Putain! Il a grandi des poils de bite, mon fils! Qu'est-ce qu'elle dirait? Avec cette voix-là, exactement. Qu'est-ce qu'elle dirait ta maman? Il y a quelque chose là-bas. C'est ma bite! Putain, je trouve jamais le bon trou, Atreus. On se demande comment je fais pour t'enfanter. Ça expliquerait bien des choses. Regarde, je pense que si je veux... Regarde. Regarde cette forme. Qu'est-ce que t'en dis, Atreus? Ah, voilà. Non, mais toujours pas. Où est-ce que ça vibre le plus?
Voilà. Qu'est-ce que tu vois? Je ne sais pas, je m'en branle. À demain. Ce que je veux, c'est ouvrir cette chambre. Oh, de la lecture, regarde comme c'est bien. Un autre. Fantastique. Ah, tu le reconnais, n'est-ce pas? Non. C'est Tamur, le géant tailleur de pierre. Oh, Tamur, ta mère. Un mur autour de Jotunheim. Pourquoi faire? Ça devait être son chef-d'œuvre. Il cherchait seulement à protéger son peuple. Dommage que le premier panneau ait brûlé. J'aurais préféré que le dernier brûle. Quelle terrible perte. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et Jotunheim, on doit y aller au bout d'un moment. Qu'est-ce que c'est que ça, ce portail étrange? Qu'est-ce que ça va nous révéler, Atreus? Es-tu excité? Est-ce que ta petite bite se dresse d'excitation? À une prison. Une prison? Cela expliquerait l'imposant verrou magique à l'extérieur. Mais qu'allons-nous trouver? C'est pas seulement ça. Michael Scofield? J'ai comme l'impression que quelque chose nous attend. Tu as un don pour les annonces dramatiques, petit. Oui. Quel genre de choses? Je sais pas. Quelque chose de puissant. Oh. Quoi que ce soit, Atreus, nous le surmonterons comme nous l'avons fait jusque-là. On aime surmonter des choses. C'est très intéressant de surmonter des trucs. J'aime beaucoup surmonter plein de choses. Imposer ma virilité. C'est bizarre comme système. Si c'est des prisons qui contiennent un espèce de... boss, peut-être. Si c'est le cas, je vais changer mes compétences. Ouh, au niveau 5, j'ai débloqué des trucs. Allons voir. C'est quoi cette espèce de cocon qui flotte, là? Une Valkyrie? Une Valkyrie en prison? Qu'est-ce que... Une Valkyrie? Mais je croyais que c'était des esprits. Soyez prudent. Qu'est-ce que c'est? Une Valkyrie en chair et en os. Je ne connais pas d'adversaire plus redoutable. Elle ne nous attaque pas. Elle ne nous a peut-être pas vus. Vaincre une Valkyrie, mais qu'est-ce que c'est? Oh! Gunner! Un adversaire indigne! Comment ça, indigne? Tu veux t'abranler, femme? C'est tout ce que t'as à dire! Prends mon faisceau de givre! Illuminé par mon faisceau! Je vais te montrer la vache qui rit, moi! D'accord, elle a des grosses ailes, elle fait mal! Intéressant! Moi, j'aime frapper des vaches qui rient! Allez! Essaye de t'en prendre encore une fois à moi, femme! C'est pas parce que t'es un pigeon! Qu'est-ce que tu m'effraies? Loin de là! On va enchanter ça! Reviens ici! J'ai senti jusque dans mon crâne. Je suis pas content! C'est bon de faire des combos, Atreus! Pas content! Ouais. J'esquive! Non, c'est pas réussi! Ouais, c'est comme je le disais, c'est des espèces d'adversaires un peu plus coriaces. Qui te mettent des petits coups de zèle comme ça, c'est... Bon, maintenant qu'on sait que c'est du combat à distance, on peut adapter nos compétences en fonction. Je pense qu'on est prêt, Atreus. Envoie des petits marcassins, gamin. C'est tout? Mange ça, femme! Je vais te repousser! Tu m'as traité d'indigne! J'étais pris au dépourvu tout à l'heure! Ça ne se reproduira pas! Nous voilà bien! Comme ça, je suis indigne, hein! On va voir qui est indigne, la grognasse! C'est tout? Qu'est-ce que tu vas faire avec ta faux? Tu peux dire oui, Atreus, tu peux dire oui en effet. C'est le moment où elle peut riposter. C'est tout? Oh! Joli gamin.
C'est le moment, Atreus! Allez, décontenancez! On la repousse à présent! Encore! Maintenant! Et on enchaîne! On veut lui faire remettre ses paroles à ce piaf! Et alors? Elle veut nous battre dans les ailes? Joli gamin! Et on la repousse! Vas-y, Atreus! Oh, jolie esquive, grognasse! Les sangliers! Et on repousse! Et l'enchaînement de la chair de l'ours! Et on repousse encore! Maintenant, perce-lui le cul! Ce soir, mange du gibier de Valkyrie! C'est tout ce que t'as, grognasse! T'essaies de nous voler dans les plumes? Déguste ça! Eh bien, on la laisse s'approcher! Pour mieux lui mettre un coup de bouclier! Une branlée! Spectaculaire! C'est tout? Je n'aime pas son coup! Combo! Joli! On se décourage pas, Atreus, et on ne baisse pas sa garde! Maintenant! Cette grognache, c'est un peu trop joué de nous! C'est le moment de lui faire regretter cette parole! Non, mon téton! Allez, cette fois c'est la bonne, on va l'enchaîner. Elle rêve de s'envoyer en l'air, la salope! On va la ramener sur Terre! Oh, elle arrête pas de s'échapper! Reviens par ici, la truche! Reste là! Boum! Bloqué dans mon étreinte! Ça plus dur que Dark Souls. On y est prêt, le gamin. Enfin. On va lui faire regretter ses propos de pucelle. C'est maintenant! C'est maintenant ou jamais! Valkyrie de mes deux! Dans tes enfers! Tu vas arrêter de te foutre de notre gueule, le piaf! Et on lui a arraché ses ailes. Alors, t'es contente? Vous m'avez libéré de ma forme corrompue. Vous avez ma reconnaissance éternelle. T'inquiète. Mais mes sœurs demeurent prisonnières. On va tous devoir leur arracher les ailes à ces pioupiou. Trouvez-les, délivrez-les. Le destin des Valkyries est entre vos mains. Le destin des Valkyries. Très bien. Allez, on va l'empaler. Maintenant, Atreus, tu vas porter ce casque sur toi. Tu auras l'air mignon comme tout. Le destin des Valkyries. Ça a l'air très important. C'est le moins qu'on puisse dire, petit. Qu'est-ce que tu sais d'elle? Bonne question. Difficile à dire. J'en sais plus que la moyenne, quoiqu'une grande partie de leur histoire soit teintée de secrets. C'est très secret, les Valkyries. L'expérience avec les Valkyries s'arrête à mon emprisonnement. Tu ne réponds pas à la question, Tête. Je te l'ai dit, mon frère. C'est compliqué.
Je ne sais ni comment, ni pourquoi elles sont devenues ces créatures abjectes. Mais peut-être qu'en en libérant d'autres... On en apprendra plus. On en apprend d'autres. Le destin des Valkyries, petit. Il n'existe pas d'entreprise plus noble. Ça sonne épique. Ce sera dangereux. Jusque-là, ça ne t'a jamais arrêté, si ? Non, c'est sûr. À la bonne heure. Vous avez débuté un service légendaire. Les Valkyries corrompues sont de puissantes créatures terrées au fond de chambres cachées d'Odin et dans d'autres royaumes. Les vaincre est une tâche ardue qui requiert un équipement puissant. Trouvez et battez toutes les Valkyries corrompues pour découvrir la vérité et obtenir des récompenses légendaires. Cool. C'est fini. Ouais, tu veux un câlin, c'est ça ? On va pouvoir améliorer des pièces d'armure avec toute cette merde. De l'acier asgardien, des trucs comme ça. Est-ce que le jeu en valait la chandelle ? Genre en termes de compétences, on peut, grâce à l'expérience, on peut débloquer plein de trucs, donc j'ai envie de te dire, positif. Très bien, nouvelle compétence à tester. La petite attaque. Changement de posture. Et après, tu peux faire des combos comme ça. Plutôt stylé, hein. Ça va chier des bulles, c'est moi qui te le dis, Atreus. Nice. Au moins, on sait où est quoi à chaque fois pour les chambres, donc ça va être plus facile, mais à mon avis, le niveau de difficulté va augmenter à chaque fois aussi pour les Valkyries. Maintenant on arrive là et quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Et maintenant, Freya devrait peut-être jeter un œil au garçon. Non, je me sens mieux. Je dois juste reprendre mes esprits. Où est-ce qu'on va? Maintenant que nous avons le burin du géant, nous devons découvrir la rune qui mène à Jotunheim pour la graver sur la porte spéciale, sur le pic. Et ainsi ouvrir le passage vers le royaume des géants. Et comment qu'on fait ? Hélas, non. Mais le serpent a dit que les géants avaient confié ce secret à Tyr. Et donc ? Tyr n'est pas mort ? Si, mais son tombeau secret est à notre portée. L'entrée se trouve sous son temple qui était recouvert par le lac depuis des générations, jusqu'à ce que notre ami le serpent se décide à bouger. C'est là que nous trouverons la légendaire rune noire de Jotunheim. Donc il faut aller sur le truc de Tyr, dans le temple. Va lui tirer les vers du nez, un cadavre. Bon. Voilà arrivé. Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux ? Allez, du balai ! Sympathique comme toujours. Parce qu'on a énormément de trucs à faire au final. Le 5K. Contrefort. Il y a aussi des services. Notamment le poids mort. Tuer des élèves là. Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien tuer des gens. Après, je me demande quand est-ce qu'on pourra avoir les accès mystiques déverrouillés, parce que ce sera bien pratique de pouvoir aller d'un point A à un point B. Oh, le tombeau de Tyr est derrière cette porte magique. Où ça ? Ici ? Frère, le burin. Mais je connais la chanson. Faut que ça vibre. Non, c'est pas bon. Où est-ce que ça gigote donc ? Ah ! Comment ça ? Wouah ! J'arrive pas à croire qu'on entre dans le tombeau de Tyr. T'as été chatouillé dans l'anus, c'est ça ? T'es content ? Encore un de ces trucs ? Ouais, une vasque. Oh ouais. C'est Tyr ! Mais il manque le panneau central. Ah bah c'est con. Une minute. Je croyais que Tyr était un dieu, pas un géant. C'est vrai. Mais il était aimé de tous, même des géants. Tout le monde le kiffait. Le seul avec moi à qui ils aient accordé le don de clairvoyance. Je me demande si les géants ont laissé un triptyque sur moi quelque part. Un triptyque ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on vient foutre ici ? En fait, viens voir. Quoi ? Je vais te montrer comment ça se lit. Ce n'est pas nécessaire. Tu m'as appris tellement de choses. À mon tour, pour une fois. Oh, il veut me montrer. Allez, vas-y. Atreus. Allez ! Tu le parles déjà. Apprendre à lire sera un jeu d'enfant. Arrête d'être un alphabète, papa. Je sais déjà lire, mon garçon. Mais pas cette langue.
Alors t'as fait la moitié du chemin. Bien. Les runes représentent un tas de choses différentes. Des dieux, des animaux... Attends. Tu m'emmerdes déjà. Je vais trop vite. Désolé. Non, c'est pas ça. Tu m'emmerdes. Tu ne sens rien. Si, c'est vrai. Comme une odeur... Qui a claqué une caisse ? De pluie. De pluie ? Oh, encore toi ? Tu as tout gâché ! J'ai mérité ce maudit marteau ! Et maintenant, tout le monde va croire que je l'ai récupéré parce que Magni est mort ! Je vais être la risée de tous ! Mais si je te tue, personne ne se moquera de moi ! Ah, oh, mais on va remédier à cela, t'inquiète pas. Oh, ça pique, Atreus. Vise un peu mieux. Idiot. Tu tiens ça de ton père ou tu crois que ça vient de ta mère? Elle était bête en plus d'être laide. Oh, il va s'énerver encore. Tu vas regretter ton affront. Sérieux? De ma mère? Oh, c'est vrai. Mais je vais apprendre à te connaître sur le bout des doigts. Tu vas devenir mon nouveau frère. Quoi? Dès que j'en aurai enfin terminé avec ton père. Oh, il s'énerve! La rage partielle d'Atreus! Ah bah non. Oups. J'y suis allé un peu fort. C'est un peu foreux. Mais il fallait pas m'électrocuter le téton parce que là... Ça ne marchera pas, ta connerie. Non, recule! Oh, tu vas prendre cher. Tu vas prendre ce marteau dans ton cul. Et je vais venir sonner ta glotte comme les cloches de Notre-Dame. Ça va être rigolo. À main nue. Ah, il fallait pas énerver Kratos. Cette fois, t'as nulle part où fuir. C'est pas fini! Mais arrête de fuir! Le garçon. Atreus. Il ressemble à une carpe quand il est blessé. Tu dois l'emmener chez Freya sans plus tarder. C'est sa seule chance. Ah, puis voilà qu'il va crever, c'est pas possible. Allez devoir lui faire une coloscopie.